Bonjour tout le monde, petite capsule sur la gestion du stress ainsi que la respiration. Je vous parle aujourd'hui de la respiration, de la cohérence cardiaque. Et on a une belle application qui est super simple, vraiment belle, qui s'appelle Respi Relax. Je ne sais pas si c'est disponible sur les systèmes autres que iOS, parce que j'utilise des iPads et des iPhones, sûrement que c'est disponible, ou vous pouvez carrément aller sur YouTube et faire une recherche sur la respiration cohérence cardiaque. Donc voici l'application Respi Relax, c'est vraiment pas compliqué, vous l'ouvrez, c'est ce qui apparaît, et on va peser sur le bouton Play ensemble. Vous voyez que ça dure seulement 5 minutes, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous inspirez tout le long que la petite bulle va augmenter jusqu'en haut et on expire. Donc les premières sont un petit peu longues, on sent qu'on les force, mais plus ça avance, plus que le temps descend et plus que ça va faire 5 minutes qu'on le fait, ben en ce moment-là notre rythme cardiaque descend, on devient beaucoup plus calme et relax. On est juste focusé sur la petite bulle, on évite de penser à notre épicerie ou à nos problèmes. Vous pouvez mettre une petite musique ou bien une petite ambiance avec des lumières tamisées si vous voulez. L'important, c'est d'arrêter de faire tout ce que vous faites et de vous concentrer. C'est seulement 5 minutes par jour qui peut vraiment changer tout le courant de votre journée. Donc, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, quand vous êtes stressé, ça peut être juste avant d'aller dîner, juste avant de quitter le travail. Mais idéalement, faites-le au moins une fois par jour, sinon deux, donc un petit 5 minutes avant de se coucher, d'aller au dodo. C'est vraiment, vraiment génial et je vous encourage fortement à l'essayer. Donc, vous pouvez le retrouver partout sur Internet, respiration, cohérence cardiaque ou bien tout simplement avec une application que vous avez juste à partir et faire play. Vous suivez la petite boule pendant 5 minutes. Donc, je vous mets au défi de le faire à tous les jours jusqu'à Noël et de commencer vos petites résolutions avant le temps des fêtes. J'espère que tout le monde, ça se passe bien. Malgré la situation qu'on contrôle pas, ben, vous pouvez toujours au moins contrôler votre respiration. Bonne fin de journée!